Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une série de petites vidéos de 10 minutes. Aujourd'hui, c'est la première et ça va être 10 minutes d'abdos. Pourquoi commencer par les abdos? Parce qu'on me dit souvent que j'ai le ventre plat et que j'ai de la chance. Moi, je dirais que c'est pas de la chance, c'est juste de l'entraînement. Alors aujourd'hui, c'est parti pour 10 minutes d'abdos que je fais tous les jours de l'année, sauf mes jours de bootcamp. Alors, vous êtes prêts? On y va! Alors, quel que soit le workout des abdominaux, j'inclus toujours les 4 premières minutes de gainage. Alors, ça peut être une planche sur les mains, toujours les épaules au-dessus des mains, une planche statique, ou alors je peux amener mains, pieds opposés et j'alterne, ou je peux amener mon genou droit au coude droit, puis au coude gauche, puis à l'extérieur, en changeant ensuite de jambe. Mais mon premier mouvement est toujours une planche sur les mains, 10 secondes. Alors, on va passer planche sur le côté. Dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, pareil, on peut rester en position statique, on peut faire des petits mouvements en bas, en haut. Je peux ajouter des mouvements de jambes. Allez, on va ajouter la jambe. Je peux également enrouler et remonter. Regardez le ciel. J'enroule, je vais le chercher loin derrière. Je relève, je regarde le ciel. Il ne reste plus que 10 secondes. On va revenir en planche, cette fois-ci sur les coudes. Alors, pareil, option 1, je reste en position de gainage sur les coudes. Option 2, si je sens que j'ai envie de faire un peu de cardio, je fais des jacks avec les jambes. Option 3, je vais faire une petite flexion des genoux et vous verrez que ça tire un peu plus dans les abdos. Allez, on ne lâche pas, il reste moins de 10 secondes. On va se mettre en planche de l'autre côté. Allez, c'est parti. Je sors du cadre. Allez, en bas, en haut. En bas, en haut. En bas, en haut. J'ajoute la jambe. À vous de trouver l'option qui vous convient mieux et vous pouvez bien sûr alterner. Allez, on va enrouler et aller chercher vers le ciel. On enroule et on ouvre. On enroule et on ouvre. Il n'est déjà plus qu'à 7 secondes. Repos. On va passer en sit-up. Alors, on va s'allonger et venir s'asseoir si possible sans poser les pieds. Je contrôle la descente. Si je peux, je reste en position banale et je remonte. Les abdos, c'est du contrôle. Allez. Ça ne sert à rien de se presser.
Et n'oubliez pas de souffler. Il reste déjà plus que 15 secondes. Allez, je vais vous motiver. Vous montrer que 10 minutes dans une journée, c'est rien. 10 minutes, ça donne des résultats. Alors, nous allons passer à nouveau sur le côté. Je suis allongée et je vais ramener coude, genou. Allez. Possible, ne posez pas les jambes et les pieds au sol ainsi que les épaules. Il ne reste plus que 15 secondes. On y est. Allez. On bouge bien le haut et le bas du corps et vous verrez que vous sentez votre côté. Avant de passer sur l'autre côté, on va poser sur les mains sous ses fesses, on va décoller les épaules du sol pour plaquer le bas du dos au sol et on va descendre pour 3, 2, 3, on monte, on lève les fesses, on contrôle la descente. 1, 2, 3, je monte et je contrôle la descente. 1, 2, 3, montez, soulevez les fesses, on pose les fesses, 1, 2, 3. Allez, souvent celui-là on dit que c'est le plus difficile, parce que ça sollicite les abdos du bas, et c'est vrai que ce sont les plus durs à travailler. Alors, on s'accroche, on ne lâche pas, et ça va être bientôt la fin. Allez, plus que quelques secondes. Le dernier, nous allons nous mettre de l'autre côté. Allez, allongé au sol et on va rapprocher haut et bas. C'est parti. Essayez de contrôler autant la montée que la descente. J'ai des problèmes pour rester en cadre de la caméra aujourd'hui. Allez, il reste 12 secondes. C'est la fin. Il reste 6, 3, 2, 1. Le prochain, on va faire les Russian twist. Donc, on a les pieds au sol, on bascule notre buste vers l'arrière. Si on peut, on décolle les pieds du sol. Et dans cette position, on va aller chercher loin sur le côté, puis loin de l'autre côté. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à aller chercher le plus loin possible derrière vous pour accentuer la rotation des obliques. Il ne reste plus que 18 secondes. Plus que 15 secondes. Et si ça devient trop facile, vous pouvez tendre les jambes. Allez. 4, 3, 2, 1. Et le dernier, allez, on va repartir aux abdos du bas parce que vraiment cela, c'est le plus difficile. Allez, et on va faire des petits kicks, des 10 petits kicks suivis de 2 ciseaux. Quand on change un peu les mouvements, on se focalise sur le nombre et on pense moins à la douleur. Allez, 7, 8, 9, 10, 2 ciseaux,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 ciseaux. Si vous avez mal au bas du dos, montez bien les épaules pour plaquer votre bas du dos au sol. Allez, 2 ciseaux et c'est la fin. 1, 2, 3, 4, repos. Vous avez fait 10 minutes d'abdos, c'est rien, mais je compte sur vous pour en faire tous les jours. À bientôt pour une vidéo de HIIT, parce que pour brûler les graisses, il faut absolument au moins 3 fois par semaine conjuguer du renforcement avec 10 minutes intenses de cardio. À très bientôt.